Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Valkyria Chronicles 4. Rappelez-vous, lors du dernier épisode, pas de rage, pas de tricherie, rien, même pas de vol de victoire. Non, évidemment c'était faux, Jacqueline est trop bas à l'aise. Voilà, on est une Jacqueline trop balèze. Crimaria, ressaisis-toi! Notre objectif est de capturer ce navire. Si vous continuez à l'attaquer... Elle a vraiment un grain. C'est comme il disait, sauf qu'elle est encore plus défectueuse qu'il ne le pensait. Vous deux, pourquoi avoir libéré Crimaria? Bon sang, chaque seconde compte. On n'a pas de temps à perdre, le navire ennemi se déplace. Oui, barrons-nous. Ils ont détruit le bateau. Non, c'était pas le nôtre, donc c'est pas encore trop grave. Svetlana. Oh, calme-toi, Jacqueline. Oh merde. Merde. On est immobilisé. Tout ça à cause de Jacqueline. C'est le centurion. Stop. Arrête. Je ne laisserai personne m'arrêter. Je dois prouver. Ah là là. Il est temps de faire une pause, ma belle. N'interviens pas. Doucement, ne sois pas si sensible. Oh, et ça va? Ça t'a pas mal amoché, on dirait. Elle a détruit deux bateaux, quand même. Tu oublies ta place. Personne ne t'a demandé de couler ce fichu navire. Tu ne te contrôles pas trop loin ou quoi? Tu fous nos plans en l'air et après tu viens te plaindre. Tu sers vraiment à rien. Oh, et t'as du caractère maintenant? Reste à ta place. Vous pouvez la fermer une minute. Bon sang, dans quel pétrin je me suis encore fourré? Et ouais. Le contrôle des dégâts. Notre bateau a été abîmé. Nos armes principales ont-elles été touchées? Quel impact? Faites un rapport des dégâts. Notre moteur principal est hors service. L'impact a brisé la glace sous le navire. Nous allons couler. Abandonner le navire. C'est un bateau qui ne sait pas flotter. Je ne laisserai pas ce navire couler. Passez à l'alimentation de secours, maintenant. L'équipage est en panique, capitaine. Quels sont vos ordres?
Louf, que fait l'ennemi? Ils ont déployé un escadron de chars et la sorcière a disparu. La Valkyrie est partie. Alors j'ai un plan. Ryan, allumez la mise en route de l'alimentation de secours. Capitaine, sans l'alimentation, ce navire va plonger au fond de la mer de cristal. C'est un ordre. Coupez le générateur de secours. Sans électricité, ça coule. C'est quoi ces bateaux de merde? Sérieusement? Ah, il a coulé. Quoi? Le centurion est en train de couler. Attendez, vous êtes sérieux? Ce n'est pas vrai. Une seule frappe a suffi à l'abattre. Kai, qu'est-ce que tu as fait? Attendez, on peut pas les laisser faire ça. Viens, Cloud, on va les sauver. On ne peut pas, on va finir comme eux. Claude, merde, tu peux pas les regarder crever. C'est un ordre à toutes les unités, restez en attente. Ah là 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 là. Nous sommes dans la merde. Je suis désolé. Quelle puissance, elle a transformé ce cuirassé en simple bout de ferraille. Les deux autres se sont précipités pour s'occuper des survivants. Elles veulent se rattraper d'avoir échoué leur mission. Laisse-les faire. À moins que tu veuilles les rejoindre. Non, j'ai besoin de réfléchir. À quoi? À l'excuse que tu vas donner à Belgar? Je pensais que tu serais abattu, mais tu es encore du répondant. Non, quelque chose me t'intéresse pour le moment. Je préfère rentrer. Alors prends Kimeri avec toi. Elle ne se réveillera pas tout de suite. J'ai de la chance d'escorter la princesse en personne. Quel honneur, je m'en occupe. Hop. Un joli vêtement. Elle part ici paisible quand elle dort. Difficile d'imaginer qu'elle vient de détruire un navire de guerre à main nue. Oh là. Et voilà le chevalier en armure. T'inquiète pas. Tu t'inquiètes pour la princesse? Ne t'en fais pas. Ce n'est pas un carrosse, mais ce bébé la ramènera saine et sauve au navire. Allez, installe-toi mon grand, je suppose que je peux t'emmener avec nous. On a pris cher, on a pris très très cher. Ah, un intermède. Kai a éveillé la culpabilité. Ah, on a une nouvelle déco, trop bien. Alors, on va aller voir ça, on va aller voir tout ça. Alors, annexe, opération spéciale, non, c'est pas ça. Choisir le chapitre. L'autre caille, tous ensemble. On m'a dit qu'il y avait un nouvel intermède, mais je ne le vois pas. Mais oui, on va aller au quartier général. On va aller à l'entraînement. Oui. C'est marrant, il n'y a pas eu le grade de vétéran dans celui-là. On est passé directement à d'élite. Avant, il y avait vétéran. Marrant. C'était beaucoup plus tôt, donc il y aurait peut-être un autre niveau encore au-dessus d'élite. Un nouvel ordre, toutes les unités à l'attaque. Ok. Pour tous les potentiels de combat qui vont s'éveiller, c'est beau.
au niveau du complexe R&D, est-ce qu'on a des choses à acheter? Oui. Alors, question. 29, 31, ouais, bah celui-là est toujours mieux. Ah, il y a moins de... Ah, celui-là, il y a une meilleure visée, quand même. Ah, mais celui-là, il y a une super bonne visée. Mais il fait pas de dégâts. D'accord. Bonus standard. Ah, les lances mortier. Je reste pas très convaincu du bordel si on a les grenadiers en fait. Je pensais que les grenadiers auraient remplacé les lance-mortiers, mais ça fait un peu double effet, non? Je sais pas. À moins qu'ils soient plus efficaces. Ils font quand même 400. Ouais, ils font peut-être plus de dégâts. Mais ils ont une portée bien moins grande. Je ne sais pas. Je suis heureux que nous ayons gagné, bien sûr, mais avoir les frères d'âme blessés là-bas. Nous ne sommes plus au camp d'entraînement, c'est la guerre. Ça suffit de te casser le moral, tu n'as aucune chance de tenir quand les bombes commenceront à pleuvoir. Je sais, la guerre fait couler le sang et provoque la mort. Mais ça n'a rien de moins douloureux et de devoir partir un camarade, on l'aurait pu le sauver. Je comprends ce que tu ressens, mais soigner les blessés est la responsabilité des médecins, pas la nôtre. Quand ils sont dans... Ah, mais ça, on l'avait déjà vu, ce texte. Ouais, c'est ça. Pas assez d'expérience, mince. Ouais, donc on... Bref. Quartier privé... Ouais, non. Bah ouais, mais on m'a dit qu'il y avait un nouvel intermède et je le vois pas. Ça m'enquiquine. Moi, je voulais le faire. Parce que c'est pas sous la glace, à moins que ce soit plus loin. Ah non, je peux pas tourner, hein. Je ne sais pas. Allez, hop, on est parti. Après, non. Non, c'était pas celui-là que je voulais faire. Celui-là, on l'avait déjà fini. On va finir le prix du talent. C'est maintenant qu'on est plus fort, je pense que ça passera mieux. Rappelez-vous. Alors, on doit... L'escadron va donner l'assaut sur les troupes qui avancent dans les montagnes. Il semble que les impériaux se dirigent vers le village encore peuplé de civils. La marine se charge de leur protection, vous commencerez à tabasser les ennemis. Très bien. Alors, on sait que là on a... Voilà, que des snipers. Mais non, nous sommes des snipers d'élite. Plus des snipers de merde. Donc peut-être qu'on a plus de chances de gagner. Toujours nerveuse à l'idée d'aller au combat, mais je dois faire de mon mieux. Parce qu'en fait... Léona, reviens ici, c'est un ordre. Quoi? Que se passe-t-il, chef? Nous avons trouvé des civils impériaux dans la prochaine ville, mais dès que Léona a entendu ça, il a abandonné son poste. Il est parti en territoire ennemi tout seul? C'est trop dangereux là-bas, laissez-moi aller le chercher, s'il vous plaît. Si elle y va, j'y vais aussi, on le ramènera le prince charmant. Très bien, permission accordée. Alors. Hop là. Hop. T'as plus le droit de louper maintenant. T'es encore meilleur qu'avant. Nickel. Maintenant aussi, il a des tirs d'interception. S'il va jouer, je pense. Ah,
Ok, le char, c'est fait. Ok. E2. On n'avait pas plus d'ordre avant ? Ouais, peut-être, je sais plus. Voilà. Hop. On se souvient qu'il y a un grenadier là-bas. Donc attention quand même à ce qu'on fait. Et donc il faut le tuer, hein, parce que sinon il va tous nous tuer. Et on sait que si on perd un sniper, on est mort. Merde. Yes! Elle l'a tué quand même. Ok. On va un peu plus loin aussi, c'est pour ça que je la fais maintenant. Quand on a gagné des niveaux, on est plus précis, on fait plus de dégâts, on tire mieux, tout ça, tout ça. Il nous a vus, mais comment il nous a vus? D'habitude, il nous voit pas, le grenadier, quoi. C'est dégueulasse, ça. Mais non! Bordel! J'ai toujours fait la même chose, il m'a jamais vu, et là il me voit. Tellement dégueulasse, quoi. Y'a personne qui peut le voir de là. Arrêtez un peu, quoi. Ah, ce jeu, quand il veut pas perdre, hein. Quand le jeu veut pas perdre, il veut pas perdre, hein. Là ils vont pas se retourner quand même. Non, ça va. Et elle l'a fait 3 fois d'affilée, hein. Elle a tiré 3 fois d'affilée. Elle a fait baisse de la timidité, quoi. Donc arrive un moment, il faut arrêter aussi. Aussi que le jeu il arrête de me prendre pour un con, hein. Ok. 13 de balles à toi. Voilà. Faut tuer les soldats d'assaut parce que les soldats d'assaut ils courent vite. C'est un éclaireur et là-bas c'est 2 éclaireurs, je crois. Bravo. Nul. Mais si je l'oublie jamais, Ah, ce mortier, quoi. Bon, là, il s'approche, ce sera plus facile pour les tuer. Ok. Ah, il y a des tirs de contre maintenant aussi. Ok. Ah, ça c'est vachement intéressant par contre. Et ça compte pas dans nos munitions, donc ça c'est bien. Aïe. Tu pouvais tirer à côté dans l'araignite, hein. Ça m'aurait pas déplu. Ok. Aïe. Oh bordel, c'est bon, on est mort. On a perdu. On a perdu. Perdu. Ça va aller, oui. Voilà. Si tu veux, t'avais pas un truc pour te faire faire des munitions, ça aurait été bien. Bon, elle le tue forcément. Ça, c'est bien.
ダメかも。OK. Tu vas avancer jusque là. Tu vas te soigner. Parce que pourquoi pas. Hop là. Je suis pas sûr qu'elle soit assez proche pour faire un tir de contre là. Ils sera peut-être bien les mettre en sergent en fait pour cette mission là, les mettre en chef. Mais les deux ont loupé. Ah bah merci quand même. Vous êtes mauvais mais bien comme il faut quoi les gars. Bon. On est deux. Et te voilà, Léonard. Mmh. Et Neige, tu viens de vraiment de... Bon sang, c'est quoi ton problème? Me mettre une tarte? Mais non. Tu sais qui c'est? Tu sais qui c'est mon père, moi? Bon, mec. J'ai fait jusqu'à ce que la marque de ma main s'imprime sur ta face. Quoi tu pensais à partir tout seul comme ça? Ne refais plus jamais ça. Est-ce que je suis bien clair? Oh. Je suis désolé, je n'aurais pas dû. Eh, hey, tu peux te montrer féroce quand tes amis sont en danger. Tu devrais être fier d'être, d'enfin t'exprimer. Ah oui, c'est vrai. C'est pas, ouais, c'est pas vraiment l'heure du thé. Allez, on finit ce qu'on a commencé et puis on pue bagage. Mais oui. Ok. On a récupéré nos balles, mais une seule balle chacun. Allez. Alors, notamment là, on a un bonus de précision. Il m'a vu, feu. Coup critique. Mais des coups critiques. C'est-à-dire que quelques fois où elle touche, c'est comme si elle touchait à la tête, peut-être. Ce serait tellement balèze, en vrai. Ou comme si elle touchait par derrière, peut-être. Je sais pas. En tout cas, ne serait-ce que déjà avoir les tirs d'interception avec les snipers, ça simplifie déjà énormément la mission. Ok, hop. Oui, bah toi. Soigne-toi. Voilà. Alors. Neige, elle a plus de munitions, hein, donc ça sert à rien qu'elle joue. Bonus de précision, très bien. Putain, j'avais oublié qu'ils étaient deux. Saloperie. Ok. Neige, t'avance. Tu soignes Léonard. Voilà, et on va s'arrêter là. À moins que... Voilà. Allez. Ils sont deux, on est deux. Normalement, s'il me tue personne, on a gagné. S'il tue personne, c'est ça le problème. Aïe, il n'y a qu'une seule balle qui l'a touché, quoi. Vous êtes sérieux, les gars? Qui l'a touché. Ça va. Ok.
Bon bah neige go hein. Je vais pas les tuer, ça sert à rien. Et là, une mine. Ok, on a gagné. Enfin, on a enfin réussi cette mission. Très bien. Quel talent. En fait, Léonard, pourquoi tu es parti comme ça? Je cherchais quelqu'un. J'ai été élevé par une nourrice et son fils. Ce sont eux ma famille, et bien plus que les Strauch ne l'ont jamais été. Mais ce sont des immigrés impériaux. Alors quand la guerre a éclaté, ils ont été accusés d'espionnage. Ils se sont enfuis avant que la police militaire ne les arrête, et je n'ai jamais su où ils sont allés. Alors quand j'ai entendu dire qu'il y avait des civils ici, j'ai pensé que peut-être... Enfin bon, j'avais tort, encore. Mais ça, je retrouverai, même si je dois me battre dans tout l'Empire, je les retrouverai. Je comprends maintenant. Ton secret, c'est de... pour être aussi détendu, c'est de se battre pour ceux que tu aimes. C'est pour ça que tu t'entraînes dur avec Aladdin. Je te l'ai déjà dit, je n'ai pas besoin de m'entraîner, c'est un talent inné. Oui, bien sûr. Désolé, Votre Majesté. Et bah voilà, quel talent. Accorder la médaille pour les félicitations, bravo! Elle est jolie. La médaille d'honneur en argent, merci. Accessoire reçu, balse de spécialiste. La route à suivre. Tournez à droite. Je pense que tous ces hommes m'ont appris quelque chose. Aladdin et Léonard n'ont pas de secret pour réussir. Ils exploitent simplement leurs possibilités au maximum. Si j'en ai le courage et que je travaille dur, je peux y arriver moi aussi. Je ne tolérerai pas que tu disparaisses à nouveau sans permission. Je me suis bien fait comprendre, Léonard. Hey, mec, pour qui tu te prends à me donner des ordres? Il se prend pour notre commandant parce qu'il l'est. Et c'est monsieur, pas mec. N'importe quel autre officier t'aurait mis au fer. Tu veux vraiment passer par un cour martial? Un prince ne s'incline devant personne. Je lui parlais, monsieur, de sniper à sniper. Merci, Aladdin. Garde-le à l'œil. Bonjour, excusez-moi. Encore toi, qu'est-ce que tu veux? Eh bien, j'aimerais vous dire quelque chose. Comment pourrait-on refuser devant ton air si sérieux? Je suis tout oui, ma chère. Ça fait un moment que je travaille sur mes problèmes de confiance en moi. Mais ce n'est qu'après avoir passé un peu de temps avec vous que je me suis rendu compte des efforts que vous fournissiez. C'est comme ça que j'ai finalement trouvé ma motivation. Et quelle est-elle? Vous protégez, vous deux, et le reste de l'escadron, il faut bien empêcher Léonard de disparaître encore dans la nature. Alors je vais travailler pour progresser. Désolé, je ne voulais pas avoir l'air si hautaine, mais je vois bien. Là, dans tes yeux, l'esprit de royauté. Tu fais tes premiers pas sur la route du pouvoir. Hein? Il dit juste sa petite réplique avant de disparaître. Enfin bref, je suppose que c'est la manière du prince charmant de te dire qu'il te soutient. Tu as mérité son respect. Oh, je vois. Tu sais quoi, Neige? Tu es plutôt chouette dans ton genre. Merci. Je veux dire, eh bien... Ou peut-être que tu as encore du pain sur la planche. Eh, pardon. Alors, travail acharné, gratitude et timidité en preuve d'évolution. Alors, ça fait quoi preuve d'évolution? Parce que je pense que c'était timidité, hein, où elle perdait tous ses PA et que c'était horrible. Horrible. Comme ce qui vient de se passer pour vos oreilles. Gérer l'escadron. Ma belle. Ah non, ça c'est les... attends. Mais oui, attends. Les actifs. Neige. Non. Si, il en faut des potentiels. La volonté de changer augmente sa puissance d'attaque. Fleuret la motive à s'illustrer, ce qui augmente son esprit. Oh.
Repérée par plusieurs ennemis, elle se sent sous le feu des projecteurs, ce qui la tétanise. Secourir l'apaise et augmente sa défense. Ah, c'est peut-être ça, alors. Mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bye bye.